Hola les amis, qu'est-ce? Bienvenue sur ce nouveau vlog. Moi c'est Laetitia, ça fait 14 ans que j'habite à Barcelone et je partage mes bons plans, mes bonnes adresses sur mon blog et sur Instagram Laetitia Barcelona. Dans ce nouveau vlog, je vous propose de rester à Barcelone. Comme d'habitude, je vais vous montrer quelques petites adresses de brunch, de petits déjeuners que j'aime beaucoup. Il y aura aussi quelques balades dans Barcelone, côté nature et côté ville. Là ce matin, je suis à Montjuïc, petite promenade, je voulais aller voir les jardins de cactus, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Et ensuite on va aller bruncher chez Billy Brunch. C'est une très très bonne adresse. Ils viennent d'ouvrir leur 3e restaurant dans le quartier de Poblessec, donc c'est entre Montjuïc et la place d'Espagne, Calle Blay. Et voilà, je vais aller déjeuner ce matin chez Billy Brunch. Mais en attendant, on reste à Montjuïc et je vous dis à tout de suite. Oh my god, los pancakes. Mira, son enormes. Para mí sola, imposible. No, no. Bueno, pero lo hacemos para llevarte, pues no te preocupes. Sí. Alors aujourd'hui j'avais l'intention de me faire un super brunch à Barcelone et hier sur les réseaux sociaux j'ai vu qu'il y avait une expo sur Frida Kahlo dans le Poblenou et comme mon budget ne permet pas de faire et le musée et le petit déj, j'ai choisi l'expo. Je suis fan de Frida Kahlo donc j'ai vraiment hâte d'aller voir ça et j'ai payé 16,50€. Donc voilà, j'espère que ça vaut le coup, je vais vous montrer tout ça en vidéo dans quelques instants. J'ai encore une demi-heure, j'avais envie d'une glace. Oui, je sais, on est en janvier, c'est l'hiver, mais il n'y a pas de saison pour les bonnes glaces. Donc on va passer chez El Tio Che. Ils font aussi de très bonnes horchatas, donc c'est l'occasion de vous montrer cette bonne adresse.
Bon, alors je sors de l'expo Frida Kahlo qui a lieu dans le Poblenou au centre d'art Ideal Barcelona et c'était vraiment génial, je vous le recommande. Je suis restée au moins 2 heures dans le centre. D'habitude, tout ce qui est musée, je vais un peu vite. J'ai pris mon temps, c'était super intéressant. Et voilà, très bonne expérience. Et donc, c'est jusqu'à fin février et il y a plusieurs tarifs. Je croyais que c'était 16,50€ toute la semaine et en fait, non, il y a 9€, 14,50€ et le week-end, donc c'est un peu plus cher, mais vraiment ça les vaut. On est au Poblet espagnol sur la colline de Montjuïc et ce soir avec une amie je vais voir un spectacle de flamenco. C'est le meilleur spectacle de flamenco de Barcelone. Ça s'appelle El Tablao de Carmen. C'est dans le barrio andalus, donc le quartier andalou du Poblet espagnol. Moi c'est un spectacle que j'avais déjà vu il y a 3 ans et j'avais adoré. Donc là je suis super contente d'y retourner et voilà, je suis fan de flamenco donc j'espère que ça va vous plaire aussi. C'est une petite bomba, ça, tu dis? Ouais, à mon avis, ouais. Poulet, curry, qu'est-ce qu'on nous a apporté d'autre? Les petites croquetas, des patatas bravas. On se régale. Thank you.
sors du tablao des Carmen et c'était magnifique. Ça y est, j'ai envie d'être danseuse de flamenco. C'était super beau, j'ai encore les étoiles dans les yeux. Recommandé à 100%, vraiment excellent. Le tablao des Carmen, génial.